La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Oui, 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 oui. La vérité sera dite. Toujours avec le tiers. Le tiers. That boy is Benihana. Le tiers, le tiers. Oui, le tiers. Le tiers dira toujours la vérité. Voilà. L'homme à la coiffe du diable, c'est lui qui avait investi pas mal immensément d'argent dans la sapologie de mer pour étouffer les cerveaux des Congolais. Oui, pour son sédit, tout le long de son pouvoir pour détourner immensément d'argent, il avait besoin d'abrutir les cerveaux des Congolais. Oui, il s'est dit qu'au sud, il y a pas mal qui aiment les histoires de vêtements. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? 8% a beaucoup, beaucoup investi. Et les Congolais du sud aimant l'amusement des vêtements, en croyant que les vêtements, c'est le luxe, c'est ça qui va les sauver. Alors, parmi ces Congolais qui s'habillent en costume brillant, il y a pas mal dont leur maman dorment sur des cartons. Il n'y a même pas de matelas au Congo dans la maison des parents de ceux-là. Voilà. Alors, la sapologie de mer, une merde incroyable pour abrutir le peuple congolais. Ils adorent des costumes, des pipes bizarres. On dirait des vampires, des Dracula, des maris, des sirènes. Il a investi dans la sapologie de l'imbécilité pour abrutir les Congolais. Mais les Congolais sont des peuples bantous. Ils devraient normalement tous être dans des affaires, donner du travail à d'autres parents congolais. Mais est-ce qu'ils ont fait? Non. Tous que dans l'imbécilité, l'idiotie des vêtements, costumes, on dirait des colonisateurs de merde. Voilà, voilà, voilà ce qu'ils aiment. Voilà, voilà, voilà ce qu'ils aiment. Costumes et costumes en même temps avec une canne pour freiner. Voilà, voilà. Ils adorent ressembler à des brasas de merde. La vérité sera toujours dite avec le tien. Elle sera dite parce que le tien est un homme de vérité. Voilà. Pendant que 8% les Congolais pensent qu'à mettre des costumes, vu qu'ils ont les mœurs dans leur tête, de la bêtise, de la sapologie de merde, que 8% leur avait laissé comme héritage. Voilà. Ils sont devenus pire que des tarés. Ils pensent qu'aux vêtements, et pendant ce temps, dans leur ventre, il n'y a même pas de l'eau. Ils n'ont même pas déjeuné, ils n'ont même pas mangé un manioc et du poisson beaucoup abrémi ou du poisson salé. Ils sont affamés, mais ils préfèrent mettre des costumes. Voilà, voilà ce qui aboutit pas mal des Congolais au Congo-Brazza, la sapologie de merde. 8% a investi immensément dans la bêtise pour que les peuples du Sud puissent aboutir les autres dans les problèmes de la sapologie de merde. Oui, 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 pendant ce temps que 8% massacre, 8% pendant ce temps qu'ils violentent, nos filles, nos sœurs, nos mamans, nos grand-mères, les Congolais, eux, c'est quoi? Sapologie de merde. Sapologie de merde. Oui, sapologie de merde. Et tous ces hommes, les vêtements qui ne rapportent rien, mais au contraire, abrutissent les têtes des Congolais. Voilà, sapologie de merde, de merde, de merde. Ils aiment ressembler aux blancs de mer. Voilà, voilà la bêtise.
parmi eux, il y en a qui ont fait pas mal des années en Europe. Et est-ce qu'ils ont des papiers? Non. La plupart, on les a refoulés au Congo et ils vivent maintenant au Congo. Est-ce qu'ils s'habillent encore en costume de la sapologie de même? Niette. La vérité doit être dite. Remix. Pendant ce temps que Paulin Macaya est en prison avec les autres jeunes, les jeunes qui n'ont rien fait, mais parce qu'ils se sont levés pour changer les méthodes au Congo, les méthodes de la mafia du PCT. Mais pendant ce temps, eux, ils sont en prison. Les Congolais, eux, c'est l'amusement des vêtements de merde. Des vêtements de merde, la sapologie de merde. Mais est-ce qu'ils ont pensé à Paulin Macaya et tous les autres prisonniers politiques au Congo? Niet. Ce qui intéresse les voyous, aboutir la majorité des Congolais du Sud avec leur histoire de la sapologie de merde. Sapologie de merde. L'homme à la coiffe du diable est très tellement content, il saute de joie quand il voit les Congolais qui pensent que à remettre les histoires de la sapologie de merde. Mais pendant ce temps, 8% qu'est-ce qu'il fait? Détournement de plus de 14 000 milliards, l'argent des générations futures. 8% s'amuse avec les Congolais parce qu'il voit que les Congolais sont endormis. 8% ils volent et non seulement parce que 8% abrutis, les Congolais, la majorité qui ont voulu le suivre dans la bêtise de la sapologie de merde. La sapologie de merde, l'héritage que 8% a laissé abrutis et non seulement les plus du Congo. Voilà, la vérité doit être dite. La vérité doit être dite. La vérité sera toujours dite. Oui, le tien, l'enfant du poule dira toujours la vérité. Les Congolais pensent que à la sapologie de merde. Oui, en France, vous les voyez en costume, chaussures brillantes. Mais quand vous regardez bien, des grands chômeurs, ils ne travaillent pas. Ils ne font rien, mais ils sont là. Prendre des fiches de renseignement, prendre des photos, envoyer en direction de Mpila pour recevoir des nguiri. Et deux fois, 8% ne leur envoie pas des sacs de nguiri, enveloppe tac, et il y a pas mal de billets, et ils sont sur rien content. Sans 8%, ils sont rien. Vous allez à Château Rouge, ils ont un bar, vous les trouverez à l'intérieur entre le de bifrique de l'alcool. Ils boivent du matin jusqu'au soir. Oui, ils adorent la sapologie de merde. Alors, quand vous regarderez bien dans l'entourage de 8%, toute sa clique des voleurs, c'est aussi des sapologues. Des sapologues est égal sapologie de merde. Ils investissent immensément pas mal de pognon, ce qui ne leur appartient pas. L'argent qu'ils ont volé du peuple congolais, à part les 14 000 milliards des générations futures. Mais ils ont détourné immensément leur cimetière de leur famille. Quand vous allez, vous croyez que là-bas il y a que des morts? Ils ont mis de l'argent dans les caisses des cercueils. Les Abimbouchi, les Aroussa Biafra, ce sont des psychopathes, des enfoirés de merde. L'homme à la coiffe du diable, on t'aura un jour, l'homme à la coiffe.
diable, 2%, l'homme à la coiffe du diable est un grand salopard. Pendant ce temps, remix que Paulin Macaya est en cellule, ainsi que tous les prisonniers politiques, les Congolais, qu'est-ce qu'ils pensent? Le tier Georges Passy, les Congolais, qu'est-ce qu'ils pensent? Les vêtements de merde, la sapologie de merde. Oui, la sapologie de merde, l'héritage que 8% leur a laissé pour les abrutir. Pendant ce temps, 8% vole immensement le pétrole du Congo, 8% vole immensement tous les minéraux qui se trouvent sur le sol du Congo. Les Congolais pensent que à la sapologie de merde, qui ne leur rapportera que dalle. La vérité sera dite toujours avec le tien. Voilà, ça c'est pour vous, la sapologie de merde.